Et bonjour à toutes et tous, et bienvenue, re-bienvenue, finalement, puisqu'on vous a quitté il n'y a pas si longtemps, sur Caster's Nest Valorant. On poursuit le tournoi engagé cet après-midi, et mon cher Dams, il y a déjà des petites surprises. Alors on a eu une demi-finale assez rapide qui s'est conclue sur un score de 13 à 2, et donc nous sommes présents pour la suite de ce tournoi, à la fin surtout, puisque nous arrivons déjà sur la finale. Les joueurs des Shield eSport ont fait une très bonne performance sur leur demi-finale et donc doivent partir confiants pour cette finale, mais ils vont affronter d'autres adversaires qui, eux, ont joué la veille, donc qui sont tout frais et qui ont surtout envie de gagner. Ouais, tout à fait. Moi, je suis d'autant plus content que voilà, je retrouve d'anciens teammates à moi qui sont passés sur Valorant. Donc voilà, la migration des joueurs Overwatch sur Valorant se passe bien, hein, tel qu'on a pu le voir sur les European Masters notamment. Hein. Mais voilà, on n'est pas totalement à rejeter du milieu. Et on a du coup, on va avoir le map pool si vous êtes intéressé. Évidemment, nous avons le map pool qui est défini. C'est un BO3 contrairement au match précédent qui était un BO1. Nous avons joué sur Haven juste avant, 13-2, on l'a dit, en faveur des Shield eSport. Et justement, eh bien, on ne jouera plus sur cette map pendant la finale, étant donné que les maps qui ont été bannies sont Ascent et Haven. Donc, on ne jouera ni sur l'une ni sur l'autre. On commencera donc sur Bind. Ensuite, on enchaînera sur Icebox pour finir sur Split. Hein, on joue par ordre alphabétique selon les règlements, le règlement du tournoi. Et donc, on va commencer sur cette petite map de Bind. Bind qui est une map quand même très appréciée. Et oui, Bind, c'est cool. Et Bind, ça peut permettre pas mal de compositions. Hein. Bon, évidemment, c'est une carte où on aime bien la raise, il me semble, hein, si ça n'a pas changé. Puisque bah, voilà, il y a beaucoup de choke points, de couloirs très fermés. Moi, je suis très intéressé par le choix de Icebox. Hein. On en parlait un petit peu avant, mais... je trouve que ça va être une carte très très intéressante, mais voilà, c'est Bind qui commence avec ses téléporteurs légendaires qui peut permettre les arnaques du siècle les plus colossales. J'ai très hâte de voir cette carte de Bind, surtout qu'on a vu des Shield eSport très très solides sur la game précédente. Donc je pense en vrai, le ban de Haven, c'était sans doute la stratégie pour éviter de retourner sur cette carte pour les Shields, hein, évidemment, puisqu'il semblait très à l'aise dessus, très difficile à déloger, donc... c'est peut-être le ban des Windigo qui a été effectué là-dessus, alors qu'on a banni Ascent, qui est pourtant une map très appréciée au niveau de la communauté, mais peut-être que les Shields, eux, se sentent mal à l'aise dessus, c'est ce que tu me disais en tout cas juste avant de prendre l'antenne. Donc voilà, peut-être qu'on a fait des bans non pas parce qu'on se sentait à l'aise sur les cartes qui sont sélectionnées, mais plutôt parce qu'on ne se sentait pas à l'aise sur les cartes qui ne sont pas sélectionnées justement. Et donc on a fini par se retrouver dans ce map pool avec des maps que l'on ne voit que très peu à haut niveau, ou du moins qu'on évite la plupart du temps, qui sont Icebox et Split. Hein, deux maps qui sont généralement à sens unique pour une carte, enfin pour une équipe ou pour l'autre. On le sait, Split a toujours été à l'avantage de la défense, difficile de faire une bonne attaque. Ce sont des maps qui peuvent un petit peu frustrer les joueurs, mettre à mal les équipes les moins organisées. Et pourtant, on va se retrouver sur ces deux cartes après Vine, donc une finale qui va être normalement disputée jusqu'au bout. Ouais, tout à fait. En tout cas, on l'espère bien sûr, puisqu'on est là pour le beau jeu, on est là pour le gaming. Et en tout cas voilà, c'est. Non mais c'est trop bien de retourner sur Valorant après des mois, hein, puisque finalement Caster's Nest, on était un petit peu absent de ce jeu, mais on y revient. La volonté était là, les opportunités ne l'étaient pas. Ah c'est vrai mon cher Dams, mais voilà, on va bientôt partir sur Bind, son soleil, son désert et ses téléporteurs bien entendu. Et cette carte de Bind, en vrai, c'est une map que j'aime bien aussi, pas parce qu'il y a le TP, etc., parce qu'il y a des stratégies différentes, mais parce qu'aussi on peut avoir des sélections d'armes aussi pendant les rounds qui peuvent être un petit peu variées. On le sait, actuellement, il y a une méta un peu bucky qui a dérangé pas mal, hein. C'est un petit peu l'arme du démon, celle à laquelle on ne s'attend jamais, et pourtant, elle arrive plus souvent qu'il n'y paraît, et sur Bind, eh bien, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choke points, beaucoup de petits passages sur lesquels les fusils à pompe peuvent être plus efficaces que l'on ne le voudrait, et donc, eh bien, on pourrait justement voir quelques petits plays surprises, des moves éclairs donnant l'avantage à l'une ou l'autre équipe. Donc j'aime bien cette carte de Bind parce que c'est un petit peu la carte du beau jeu. On peut avoir du très très bon teamplay comme on peut avoir parfois vraiment c'est la map sur laquelle on peut avoir vraiment le côté clutch solo si nécessaire. Et donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est qu'elle a cette ambiance où t'es jamais certain de ce qui va se passer, contrairement à certaines cartes qui peuvent rapidement partir à l'avantage de l'une ou de l'autre. Là vraiment, bah, difficile de prédire une carte de Bind. Ouais, et puis c'est la carte aussi où les statistiques donnaient quand même une certaine égalité entre les attaquants et les défenseurs. Il n'y avait pas vraiment de tendance, c'était plutôt une carte assez neutre dans les win rates. Donc je ne crois pas que ça ait changé, en tout cas mes informations ne me l'ont pas révélé. Du coup, voilà, c'est une carte qu'on est impatient de voir. On va rentrer dans la sélection
des champions. Et voilà, déjà des petites choses intéressantes hein, qu'on avait déjà vues, notamment ce Cypher qui est toujours très fort sur Bind. Les Shields qui vont garder une composition qui ressemble à celle qu'ils ont jouée en demi-finale, j'ai l'impression. Le Cypher, toujours très apprécié hein, dans toutes les équipes en général. À haut niveau, c'est vraiment le personnage qui permet d'avoir le plus de prise d'infos. On l'a rarement vu être laissé sur le côté, on le voit très souvent jouer. Ce qui m'avait surpris par contre pendant cette demi-finale, c'est qu'on n'avait pas vu de Jett, pourtant très très forte. Hein, Jett qui est vraiment le personnage, le duelliste parfait hein, pour rentrer dans la mêlée, faire le petit play, etc. Genre, c'est vraiment le personnage qui peut clutch à tout moment et qui justement donnait l'avantage normalement sur tout ce qui est Operator. Et pourtant, on en a très peu, voire pas du tout vu lors de la carte de la demi-finale. Donc peut-être maintenant. Justement, on a vu Wendigo 6 partir sur une Jett, mais il change d'avis, visiblement, pour une Reyna, alors que les autres n'ont pas encore lock. Ouais, il semblerait que peut-être on n'ait pas exact vu de ce qui se passe dans le lobby, mais ça lock, hein. on va pouvoir partir. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir quelle stratégie va être utilisée. Est-ce qu'on va partir sur un double dueliste? Oui, c'est le cas pour les Wendigo. Hein. On est parti sur Raze et Reyna. Tandis que bah voilà, chez les Shield eSports, on a pris le pari d'un seul dueliste, mais d'avoir ce Sova pour avoir un peu plus de reconnaissance, avoir un peu d'information, ce qui est évidemment un pic très intéressant pour ça. Très surpris par la composition des Wendigo qui se retrouvent du coup avec, si je ne m'abuse, eh bien, très peu de smoke. Finalement, ouais. Ils ont un main et puis... Bon, en fait, c'est un peu le cas des deux. Du coup, des deux équipes, hein, y a un main de chaque côté. Et donc... Bah, c'est à peu près tout niveau smoke, on va très peu bloquer les lignes, mais on aura pas mal d'informations, surtout pour cette équipe des Shields hein, qui du coup auront le Sova et le Cypher, de quoi retrouver les adversaires assez rapidement en fonction de l'attaque ou de la défense. Ouais, tout à fait, donc là on va s'engager sur le gun round, on n'a pas l'air d'avoir fait de folie hein, au niveau ni des Shields, ni des Wendigo. Et bon, tu l'as dit, c'est vrai que peu de smoke, mais en vérité, au main, c'est relativement suffisant. On va essayer de prendre de l'information sur le mid ici. Le boombot qui a été utilisé, on lance les grenades gigon, mais pour l'instant, juste des dégâts occasionnés quand même. On avait avancé avec cette Reyna qui du coup se fait punir rapidement. Pour l'instant en tout cas, on se doute que l'attaque partirait en A alors que justement Malsain qui utilise ses capacités se retrouve à n'avoir aucun adversaire face à lui. On est parti directement sur le connecteur B, on est sur cette window ici, on avance rapidement en groupe, on a flashé ce Cypher qui ne peut rien faire et on va prendre directement le contrôle du point, on est déjà à 1 contre 5. Ah, les Shield eSports ont été tellement agressifs dans cette attaque, dans cette prise du VPV. On est tranquillement posé. On a déjà l'info sur la présence de ce Omen au niveau de l'appartement. Et il va être tout simplement rushé. On va lui courir dessus et l'éliminer. C'est un 5-0 tout simplement. Et bon move d'ailleurs de Vrio sur son. Pardon, de Trixor sur son Cypher qui est resté sur le point A tout seul alors que la rotation était en cours. Il arrive du coup à surprendre une Raze qui était restée un petit peu en retrait et qui ne l'a pas vu venir finalement. Donc très bon round bien mené par les Shields pour commencer qui se retrouve du coup avec un avantage d'armes à feu évidemment. Ils ont déjà tous une arme, une Spectre plus des Shields. Donc de quoi avoir un avantage certain sur ce deuxième round. Tout à fait. Truc à noter aussi, c'est que Hiro est parti sur la Vandale directement avec un petit bouclier. Donc ça peut être risqué, hein, puisque du coup on a peu de vie. Mais par contre, si on gagne ce round, si on conserve sa Vandale, et bien derrière, économiquement, on est très très bien. Il n'y aura pas de force buy à faire ou quoi que ce soit. Et on va partir sur une agression au niveau du B ici en prenant la longue et bien la short. Le split deck qui nous est proposé. On va prendre l'orbe ici pour le point d'ultime, on se rapproche rapidement du coup de cette ressource pour ce Omen alors que Vrio lui est dans cette window, il attend ses adversaires mais on a pris le TP. On a utilisé seulement quelques capacités pour donner l'impression qu'on partirait sur B avant de revenir sur le A mais on ne s'est pas laissé avoir pour la défense, ils sont déjà 3 à les attendre. On utilise les capacités pour bloquer les lignes, la cage ainsi que ce voile d'ombre et on a l'avantage mais 3 pics qui sont déjà pris, on est tranquille pour l'attaque. Nes qui a été très agressif au niveau de l'intensité et l'explosivité de cette attaque des Shield eSports, elle va sécuriser normalement ce point. Hein. Il ne reste que Vrio avec son pistolet. Oh, il va récupérer la Vandale quand même, ça c'est très très important. Ça il va l'économiser. Hein. Ouais, tout à fait, il va la sauver, hein, bien sûr. Ah non, il va l'acheter. Oh. Oh bah non. Oh non. il va peut-être tenter d'aller faire des kills. Hein. Finalement, ouais. Ça se comprend. Quoi qu'il arrive normalement au prochain round, avec un 0-2, ils auraient l'avantage maintenant pour prendre des armes. Et là, justement, il fait tomber des armes qui vont coûter cher à l'adversaire. Il ramasse
cette spectre. Il va tenter la diffuse, mais attention, il y a un adversaire, il n'arrivera pas à la voir. Anaskin toujours à l'affût, va perdre son arme également. Étant donné que l'explosion va l'avoir. Mais du coup, c'est un bon move pour la défense, même s'il perd le round. Il y a 3 kills de prix. Ouais, tout à fait, hein, ça va, économiquement, ça va mettre assez mal ces Shield Esports qui vont devoir racheter dans la douleur, forcer l'achat ou alors voilà, faire une semi-écho, mais un petit achat. Mais en face, bah, on sera très très bien armé, hein, on va avoir tout simplement 5 Vandales. Pas de folie. Un petit Shield quand même pour Ghost Raid qui du coup aura un peu moins de vie pour bien trade avec ses adversaires. Mais voilà, les Shield Esports qui ne sont pas en très très bonne position économique. Ouais, finalement, ces 3 morts du round précédent, même avec la victoire, eh bien, leur coûte très très cher, se retrouvent du coup avec des spectres. Et attention, on est attendu sur le bilong, hein, on est très agressif pour Vrio qui finalement va reculer. Quoique, non, il réavance. Oh, il n'a pas l'information. Oh, il sait qu'il y a du monde, il va tenter la décale, il va prendre le doublé. Très très beau doublé avec un très très bon crosshair placement pour Vrio. On aura récupéré l'élimination pendant ce temps-là. Hiro est tombé sur le point A et c'est la rotation qui est engagée par les Wendigo. Trixor. Ici qui prend l'orbe quand même, qui sécurise cette orbe. Le round est difficilement jouable, il prend quand même les informations, mais il sait que la rotation est bonne. La flash qui est très bonne ici pour le surprendre, être obligé de reculer après avoir perdu quelques HP. Malsain qui essaye d'avancer à l'aide de son Omen accompagné, mais on a pris le TP et on sait qu'on est dans le TP, mais il n'est pas ressorti de l'autre côté. Et ça, ils ne le savent pas pour la défense. On est très prudent pour les shields qui attendent peut-être une erreur de l'équipe adverse. Ils sont 2 contre 4, donc ils ne peuvent pas vraiment prendre le moindre risque. L'objectif maintenant, c'est de coûter cher à l'équipe adverse qui a l'avantage au niveau des armes et de l'économie. Leur objectif, ça va vraiment être de se débarrasser de ces armes problématiques afin de mettre à mal les joueurs des Wendigo Esports pour la suite de cette attaque. Ah, les Wendigo qui sont très très patients. Ici, on n'a pas avancé. Oh, ça c'est très bien vu de la part de Anaskin. À travers la smoke, quasiment, on va pouvoir amorcer le spike malgré tout, malgré le stun. On a plus beaucoup de HP par contre, hein, pour ce Cypher. Mais on a amorcé le spike, ça fait un peu d'argent. On est très très bien et on va devoir retake pour les Wendigo. On se fait éliminer pour Wendigo 6. Et bah, finalement, ça se transforme en une situation de 2 et 2. Et on a du coup une possibilité de remporter ce round. On a très peu de points de vie tout de même par contre pour les attaquants qui vont se faire vaporiser par Gazou sur sa Vandale solide sur les appuis. Il fait la décale et se débarrassera de ses deux attaquants. Il va même faire la diffuse. Il se rapproche dangereusement de sa capacité ultime. Très bon transfert de spray ici pour Gazou. Mais bah, finalement c'est pas si pire pour Shield Esports. Il est quand même dans une situation de light buy. Donc il va pouvoir maintenant avoir un round d'achat complet avec des Vandales, et on a fait des dégâts économiques chez Wendigo. Wendigo qui va donc bah, entrer dans cette guerre économique, effectivement, où bah, on va pas pouvoir avoir des achats complets ni de part ni d'autre, et on sera un petit peu sous-armé face aux assauts de ces Shield Esports. Alors qu'on nous informe que les teams sont inversés sur l'overlane, vous inquiétez pas, on change ça rapidement. Vous allez le voir du coup avec le délai qui prendra un petit peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, nous remontons l'information. Pour l'instant, nous sommes toujours sur cette situation de 2-1. La défense du coup qui investit énormément sur ses armes et qui va laisser seulement 2 joueurs sur le point B avec 3 joueurs sur le point A. L'attaque, elle, semble se diriger pour l'instant sur le B, mais on est surtout sur une prise d'information. Ouais, c'est un contrôle map tout à fait classique, hein. On prend son temps. Par contre, on voit un Six très avancé dans la smoke ici qui peut essayer de surprendre ses Shield Esports. Ce n'est pas fait. On n'a pas plus de risques, mais on est avancé. On a le contrôle de cette short A pour les Wendigo. Ils sont 3 sur le A toujours. Hein. Il n'y a pas encore de rotate qui est initié. Mais ça y est, les Shields, eux, ils savent où ils vont. Ils sont déjà à 4 autour de ce B, la split B qui va s'engager très très bientôt. On va pas donner l'information, on va pas prendre cette orbe. Et on va bah, voilà, mettre beaucoup d'explosivité sur cette attaque. Quand même, on est vu, hein, pour la raise. Et on a seulement ce petit classique, hein, pour Vrio qui se cache sur le site. Il n'a pas été repéré, on n'a pas d'information. Attention, on est flashé par contre pour Obvious sur son main. Il va quand même réussir à faire l'élimination là-dessus sur Vrio qui s'était décalé. Mais il se fera repérer bien trop rapidement. Il n'aura pas l'opportunité de faire quoi que ce soit. On a quand même un Gazou qui se cache dans le elbow ici, là derrière. Et il va prendre une élimination. Mais est-ce que ce sera suffisant? On est tout de même en 2v4. Ouais, 2 contre 4. Gazou ici qui est repéré avec les balles traçantes. Il va prendre quelques dégâts. Mais Six qui va trouver l'élimination sur Anaskin quand même avec son arme. Dernier joueur en vie. Gazou, oh, 1 contre 3 au shérif. Ouais, c'est dur. Trop difficile.
trop difficile cette fois-ci, c'est en demander beaucoup quand même, alors qu'on avait un Obvious qui tenait sa ligne en n'ayant que sa tête de montrée, donc difficile. Certes, si on prend la balle, c'est directement le one-shot hein, avec un shérif, mais on avait quand même l'avantage pour Obvious qui du coup a été bien placé avec une Vandale. D'ailleurs, en parlant de Vandale, on en a 5 pour l'attaque qui commence à se mettre à l'aise hein, avec cette situation de 3-1 et cette petite victoire du coup. Leur économie est très clairement confortable alors qu'on aura 4 Vandales et une fantôme pour la défense qui semble se masser en A. Ouais, tout à fait. On va peut-être faire une exécution très, très rapide, très agressive. Le stun ici au tremblement de terre qui est placé au niveau de ses lampes, ça ne prendra personne. Ghostrake toujours au taquet, la flash qui est tentée. On va utiliser le grenade gun pour empêcher ses Shinji Sports d'arriver tranquillement sur le BP et la smoke qui va gêner la vision de cette raid. Et la caméra ouais. Qui n'a pas été placée là où c'était volontaire, je pense. On dira rien. Je prends les infos au drone. On ne sait pas que Vrio est sur le site. Hein. On a entendu une balle être tirée, si je ne m'abuse. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas qu'il est là. Mais on va quand même le forcer à dégager à coup de rush pur et dur hein, de la part de Ijo ici, qui va lui foncer dessus. Et c'est la prise du point rapide. Il va falloir jouer en retake pour la défense. Ouais, tout à fait. Ligo qui va utiliser sa capacité ultime. On va pouvoir voir un petit peu mieux ses adversaires tirer aussi beaucoup plus vite, un petit avantage dans les duels. Gaz va tourner smoke hein, pour ce spawn et on va essayer de reprendre. On avance groupé pour cette équipe des Wendigo, mais on se fait un peu surprendre, quoique Wendigo lui justement en Wendigo 6 qui avec son impératrice arrive à faire le tour et à surprendre. On est en 2 contre 2 maintenant, mais attention, on a cette ultime qui est envoyée, c'est l'élimination qui est prise sur Wendigo et on va enchaîner ensuite sur Wendigo 6 et sur Gazou. On a l'avantage maintenant pour les shields. Ouais, c'était juste quand même, hein, puisque Naskin a terminé dernier tout seul sur cette longue nez. On s'est fait courir dessus malgré tout, malgré la capacité ultime de ce sauveur. Mais voilà, les Shield eSports qui l'emportent à nouveau 4 à 1. Et du coup, bah évidemment, économiquement, c'est la dèche pour les Wendigo qui vont devoir faire un tout petit achat. C'est basiquement un écho, mais évidemment, sur Valorant, on écho jamais totalement. On va pouvoir acheter quand même des petits pistolets. Mais voilà, on se catapulte pour l'économie des Shield eSports. On se met clairement à l'aise, même si on a perdu quand même 3 joueurs en round précédent, on a de l'avance en fait. Quoi qu'il arrive, même si on perd ce round, je pense qu'ils peuvent encore acheter au suivant. Donc ils sont très très confortables, alors qu'on voit ici une défense sur le site A qui avance. Hein. Ils ont comme objectif de faire tomber un maximum d'armes, ils savent qu'ils ont très peu de chances de l'emporter. Et donc l'objectif c'est vraiment pas de remporter le round, mais de faire les éliminations, mettre à mal l'économie adverse et surtout essayer de... restabiliser la leur. Et attention, on est reveal. Oh, cette smoke qui disparaît. On avait l'opportunité pour Six qui va finalement tomber. Il a même pas eu le temps de tirer. Il y avait 2 joueurs face à lui. Ouais, c'est un pari hein, ce genre de choses. Soit ça surprend. Oh là là, on se bat dans les smokes là. C'est difficile de se retrouver. Mais Hiro sera celui qui prendra la tête sur Malsain. Hiro qui va pouvoir se planquer, essayer de surprendre ses adversaires. Ghost serait toujours caché dans cette smoke au contact du tank. Il peut peut-être prendre l'élimination ici sur Anaskin. Est-ce qu'il va le décaler au niveau de ses lampes? Oui, mais il est vu Ghost Raid. On sait, on a l'info. Et Trickster va surprendre Vrigo dans sa rotation. Ah, on n'avait pas l'info par contre sur le deuxième joueur dans la petite pièce là-dedans. Et les shields font élimination sur élimination et remportent ce sixième round. Ils se retrouvent du coup en situation de 5-1 et ils n'ont perdu personne. Et ça, c'est la bonne opération. Car leurs adversaires du coup ne récupéreront aucune économie là-dessus. Hein, ils ne pourront pas gagner de l'argent, des crédits sur des kills. Et à côté de ça, eh bien, on ne perd aucune arme pour les shields qui prennent encore plus d'avance sur leur économie. Là, ils pourraient perdre 2 rounds de suite sans avoir aucun problème d'économie, je pense. Ah, ils sont installés sur un matelas de billets, les shields là, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et voilà, c'est une confortable quand même un matelas de billets. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'aimerais bien essayer ça. je sais pas si c'est très bon pour le dos, hein, mon cher. En tout cas, c'est pas grave, au pire tu payes pour réparer ton dos, quoi. C'est vrai, c'est bien vu. Tu veux dire que tu affaiblis ton matelas pour... Oh là là, ça fait des plans sur la comète ici. Mais en tout cas, la split D hein, qui s'engage. On n'a pas de contrôle map sur le A, donc ça veut dire qu'un off de zone des Wendigo pourrait surprendre ces Shield eSports. Mais pour l'instant, on est patient. Passons la flash ici, Gazou ne verra pas le mal arriver. C'est un bouquet final qui lui est envoyé directement dans les dents par la raise adverse. On a l'avantage maintenant Ghost Raid qui ne se fera pas repérer par ce drone, mais qui va aider à le détruire. Attention par contre, il y a un voile d'ombre qui bloque toute ligne possible de la part des défenseurs, et là ils vont se directement sur une flash. Elle arrive pile pour le moment, au moment où Ghost Raid avance. Et c'est Anaskin qui fera l'élimination. Ah, Ghost Raid totalement perturbé par cette flash.
explosions, les flèches, on met beaucoup de dégâts, c'est Wendigo hein, qui se prennent du poke à l'infini. On va essayer quand même de reprendre l'espace avec des flashs. Est-ce qu'on va pouvoir surprendre cette équipe des Shield Esport? Ils le savent, ils sont passés dans le coude, ils vont avancer, ils vont arriver, on les attend. Trick sort la ligne. On va se téléporter quand même pour Malsain, on n'a pas l'air de vouloir le jouer finalement. Ouais, on a l'impression de reculer ici. Ils n'ont pas vraiment réussi à avoir l'opportunité, ils savent qu'ils n'ont pas l'avantage en 2v4. Le temps commence à manquer et on va essayer justement de bloquer la rotation pour Malsain qui va faire une élimination alors que Hiro va exploser par le spike. Et finalement, il n'y a que deux joueurs qui survivent pour l'attaque. Les Shields ici qui font quand même une bonne opération malgré ses morts se retrouvent tout de même à remporter le round 6-1 et leur économie est plus que confortable puisque rien que Trixor à lui tout seul est à 8400 de crédit. Oui. Ouais. Comment tu peux avoir autant en fait? Bah, écoute, il faut s'appeler Patrick Balkany, hein, mon cher Dams. Je pense que ce n'est pas possible autrement. Mais voilà, les shields qui sont vraiment confortables sur cette carte de Bind en tout cas. On va voir si la dynamique changera hein, sur les autres cartes aussi, peut-être moins préparées. Mais en tout cas, ici, la domination est très très nette. On va lancer cette grenade pour dégager tout ce qui se passerait au short. Sur le A, on a l'impression de vouloir y aller en tout cas cette fois-ci hein, pour les shields. Hein, c'est la première fois qu'ils attaqueraient en A depuis un petit moment. Ils ont un petit peu massé sur le B sur l'attaque, mais ça a bien marché jusqu'à maintenant. La défense, elle, s'est montrée agressive au début, mais va être obligée de reculer. Ils n'ont pas vraiment les infos. On utilise le bouclier final pour la raise, mais on n'a pas d'infos et on va quand même réussir à se débarrasser d'Obvious qui n'a pas vu la mort arriver. Ouais, utiliser un ulti sur un round de petit achat comme ça, c'est peut-être un peu risqué, mais ça pourrait payer, hein, ça part de là, comme on dit, pour ces Wendigo. Mais on va attaquer en B, on va attaquer de manière très agressive, hein, on met beaucoup de rythme. Cependant, les éliminations, elles sont prises, sécurisées par Vrio qui continue, un deuxième kill pour ce Cypher, il va peut-être être surpris ouais, par... Entre deux feux ici, Vrio qui aura quand même pris deux kills. Et pour l'instant, l'avantage est à la défense. Hein. Ils sont à 3 contre 2. Ils vont être coincés entre le joueur en coude et les deux autres qui sont à la window ici. Et qui vont du coup avoir les informations. Ils vont être obligés de se téléporter sur A. Mais oui, c'est très tellement intelligent. Ils ont provoqué la rotation de ces Wendigo. Et directement après, eh ben, ils repartent en A. Ils savent qu'ils ont le temps. Ils peuvent amorcer tranquillement. On a les points de vie pour le faire. On a les ressources aussi hein, pour gagner ce round. C'est un 2v3. Donc c'est encore tout à fait faisable. Attention, Trixor qui a repéré l'un des joueurs. Il y en a un autre sur le Heaven ici, sur la hauteur, qui pourrait décaler à la fenêtre. Seulement 11 points de vie. Ils sont à 3 contre 1. 2 contre 1 maintenant. On sait où est le dernier joueur. On a eu l'information à cause de la mort de Six. Qui s'est fait avoir et attention, c'est du 1 contre 1. Ouais, Trixor, il va avoir l'information avec son ulti. Hein. Son ulti prêt pour le clutch. 1v1, ça y est, il la décale, mais c'est Gazou qui l'emporte face à Trixor. Malheureusement pour les Shield Esport, c'est un nouveau round qu'on va devoir lâcher et on s'offre un peu d'air pour les Wendigo. Ah, les Wendigo qui pourtant étaient en économie au tout début. Hein. Ils se sont fait un très bon round, malgré qu'il n'y ait qu'un seul survivant. Ils gagnent une arme, ils gagnent le round et font tomber celle de leurs adversaires. Donc finalement, ça part de là, comme tu disais, pour remonter au score. Ils ont de quoi maintenant s'acheter des armes pour la quasi-totalité des joueurs, voire même la totalité des joueurs, si je ne m'abuse. On va avoir du coup un round à arme égale pour ce 9e round. On est en 2-6 et on a des ultimes à faire valoir pour la défense. Encore une fois. Ouais, c'est la force hein, de Valorant par rapport à un autre jeu concurrent du genre. Hein, c'est que au niveau du cycle économique, si on gagne un round, eh ben on peut totalement renverser la vapeur. Et là, les Wendigo sont en train de le montrer. Hein. Là, on se remet très très bien. On va avoir quand même des ultimes. On va avoir des ultimates en plus à faire valoir. Hein. Notamment celle du Cypher pour gagner des informations, celle du Omen pour peut-être perturber ou gagner des informations. Donc on peut être très très agressif hein, pour ces. Et j'ai l'impression qu'on va se masser en A pour l'attaque. On a ce Boombot qui a été repéré, qui va être explosé. Attention, on utilise des flashs. La paranoïa qui est envoyée également. Gazou qui va faire des dégâts sur l'auteur, mais qui a failli tomber à son tour. Et les shields avancent déjà deux prix, deux éliminations de prise sur le point. Et ils vont pouvoir poser directement sur le site. Ils sont en 5 contre 2 maintenant. Et Malsain eh bien, est en mauvaise posture avec son coéquipier. Ils vont devoir réavancer sur le site sans avoir aucune information du positionnement de leurs adversaires. Ah ouais, là, ils peuvent être absolument partout. Hein. On est obligé de check angle par angle pour le Omen. C'est Wendigo. Et là, on perd déjà Vrio dans l'opération. Oh là, la décale de Trixor qui va one tap. Tu l'as dit, le pauvre Malsain. Il n'a tiré qu'une seule balle et c'est directement l'élimination. C'est rapide. Hein. Les shields qui sont très solides. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment. Une véritable leçon pour l'instant sur l'aim, le positionnement et sur l'agressivité hein, puisqu'ils avancent vraiment en groupe et c'est un style de jeu qui clairement pour l'instant est en train de payer avec 5 rounds d'avance.
Ouais, sur Valorant, les exécutions, hein, c'est très très fort. On peut mettre beaucoup d'explosivité, notamment avec ce breach. Hein, c'est le choix qu'a fait Ducky de prendre vraiment ce flasher très très puissant, hein, puisque les flashs partent très très vite, c'est difficile de les éviter. Et bah, du coup, on peut vraiment surprendre dans les exécutions. Et pour l'instant, bah, cette explosivité, elle paye très très fort. On va avoir l'information, hein, de ce short ici au niveau de cette short. Évidemment, on dézone ce Cypher qui prend déjà beaucoup de dégâts. Et on va pouvoir attaquer. Voilà, c'est osé ce qui nous fait Cypher de l'ennemi. Oh, le flank de Malsain qui n'a pas fonctionné. On utilise cette grenade pour empêcher d'être suivi. Je pense pas qu'on l'ait envoyé là où on le voulait pour Ghost Raid. Et finalement, on est en train de se faire vaporiser l'attaque à l'avantage des armes et puni le positionnement un peu agressif. Mais c'était vraiment la tentative qu'il fallait faire. Hein. Les Wendigo qui vraiment devaient tenter la surprise pour prendre des kills. Mais ça n'a pas du tout fonctionné face au shield. Ah, les shields qui punissent très très bien, ils ont vraiment un bon contrôle map. Et ça c'est vraiment ce qui est assez impressionnant et ce qui leur permet d'éviter ce genre de situation très inconfortable. Wendigo 20 HP, mais c'est Reyna, hein. on peut faire beaucoup de choses avec ce personnage en situation de clutch, mais ça va être compliqué, on est en 1v5. Oh là là, cette flèche électrique qui est évitée, c'est chaud. Oh là, oh, le one shot ici qui est proposé. Mais c'est faux, il va avoir le kill. On est finalement éliminé par le sac de C4 de la Reyna, de la Raze qui essayait de se propulser dans les airs. Mais on a que 20 points de vie pour cette pauvre Reyna qui n'a pas pu absorber son orbe, étant donné qu'elle était bloquée par la cage. Donc finalement, bon move quand même de la part de 6 qui aura tout tenté. Mais on avait une très bonne cage de la part de Trixor qui était mort juste avant. Ouais, tu l'as dit, et je pense que c'est important de le préciser, les Wendigo ici qui... Bah du coup qui ont essayé de jouer différemment, qui ont essayé de jouer plus agressif sur leur zone. Et c'est intéressant, je pense que c'est peut-être une bonne piste même en round d'armée à faire, parce que il faut essayer de surprendre ces Shield Esports. Ils ont vraiment beaucoup trop d'explosivité. Leur plan de jeu, il est clair, il est bien appliqué, il est bien maîtrisé. Et du coup, bah, ça semble difficile d'y répondre pour ces Wendigo. Donc peut-être qu'il faut essayer de perturber leur routine, il faut essayer de les surprendre avant leurs exécutions. C'est ce que Vrio va tenter de faire. Et ils ont vraiment une composition très agressive, ces shields, finalement, entre l'explosivité de la raise, la capacité de flash de ce breach, accompagné finalement de toute la prise d'information entre le Cypher et le Sauvage. J'aime beaucoup en tout cas ce qui est joué. Et en face, il y a des duellistes qui ont du mal, finalement. Un duelliste, s'il ne fait pas les éliminations, eh bien, il n'arrive pas vraiment à donner l'avantage et avoir de la véritable valeur. Et comme on est mené pour l'instant, eh bien, la composition des Wendigo semble être menée, mais malsain. Et là, pour me faire mentir, il gagne son duel face à Obvious. Ouais, c'est du 2v4, hein, mais ça, c'est possible de le reprendre ici. On va le jouer, on a décidé de le jouer pour Ghost Raid. Il trouvera l'élimination sur ton vis-à-vis direct, mais on est flashé, on est stun. Cependant, Malsain sera là pour faire la différence sur Anaskin. C'est du 2v2 maintenant pour les shields face au Wendigo. Et ça semble totalement jouable pour cette équipe. On va manquer de temps, la décale de Ducky qui met des dégâts à son adversaire. On avance à coup de sacoche, mais on va se faire avoir Ghost Raid. Rien pu faire, et Malsain est tout seul. Il prendra quand même l'élimination, mais ce sera insuffisant. Le spike va exploser de son côté, de qui va pouvoir l'esquiver tout juste. Et finalement, on est en 9-2 pour les shields, qui se retrouvent sur le dernier rang round de cette attaque, et qui du coup vont investir leur économie avec une Odin qui apparaît. Tout à fait, la Odin. Bon, on m'avait prévenu, voilà, j'avais discuté avec eux, ils m'avaient dit « Ouais, tu feras gaffe, voilà, les Odins, ça peut apparaître sur certaines maps. » Donc j'étais prêt à ça. Attention. Finalement, c'est l'opérateur, hein, qui est sécurisé. Opérateur qu'on n'a pas encore vu ni d'un côté ni de l'autre de cette map. Hein. C'est vrai que l'économie ne laissait guère présager, mais voilà, c'est la première fois qu'on le voit. C'est vrai que l'opérateur, finalement, en attaque, c'est compliqué de le sortir, étant donné que c'est vraiment une arme avec laquelle tu as du mal à avancer. Et à côté de ça, en défense, comme tu l'as dit, l'économie n'a pas vraiment permis d'acheter ce genre d'arme. Il aurait fallu sacrifier plus de rounds encore, et ce qu'on ne peut pas se permettre, du moins pour la défense, qui est en 9-2. Et on a tout de même acheté une Vandale en plus, hein, pour ce main, hein, qui l'a posée au sol. Donc il est serein, il peut changer d'arme à tout moment si nécessaire. Et l'attaque, elle, se masse en B. Ouais, tout à fait, on a eu les infos que la short était totalement free. On a l'info d'ailleurs sur Malsain ici qui s'était un peu caché, il va devoir se téléporter, la flash qui est tentée, qui va aveugler Malsain. Malsain qui va être dézoné à coup d'explosion. Mais oui, Malsain, pourquoi tu retournes dedans? C'est dramatique ça.
C'est une bonne élimination qui fait croire du coup à la défense que l'on va se masser en B alors qu'on fait une rotation rapide de la part des shields sur le A. On est surpris par contre par Six qui peut faire le doublé. Il fait le bon doublé ici, Trixor et Obvious qui se sont fait surprendre. Six qui vérifie que dans les douches il n'y ait personne. Finalement on va pouvoir revenir sur le point avec Ghost Red cette fois-ci qui est là pour lui tenir la main. Et justement il s'arrache une tête sur Ducky. On a l'avantage maintenant du côté de la défense. Ouais, mais Anaskin, on sait où il est. Hein. Il vient de révéler sa position en prenant une élimination, certes importante, mais c'est pas suffisant. Le spike n'est pas amorcé, donc c'est à lui de jouer. Il reste 14 secondes, 13. Il va aller sur les kills, je pense. Ouais, mais on a aucune info de où ils sont. On a juste l'info de cette reine à Shower. Il faut aller chercher cette bombe. Cette reine, elle va le surprendre. Il le voit pas. Six qui tire le premier, qui met une tête, mais c'est une spectre, ça ne one-shot pas, et le turn est monstrueux de la part de Nanaskin, mais heureusement, on avait encore Ghost Red qui était là pour sauver l'honneur, et surtout sauver le round. On se retrouve en 3-9, ouais. Difficile, mais pas impossible de remonter un score pareil. Il va falloir être solide sur l'attaque maintenant pour les Wendigo. Ouais, clairement, mais voilà, ça peut totalement virer de bord complètement. Parce que c'est Valorant, et parce que Valorant, c'est assez facile de reprendre un avantage rapidement, et de le faire snowball. Bon, maintenant, si les Shield Esports sont aussi affûtés au niveau du skill individuel qu'ils ne l'ont été en attaque, ça va être compliqué, on ne va pas se le cacher, mon cher Dams. Ça va être difficile, mais pas impossible de remonter ce 9-3. Hein. Si vous voulez un exemple, c'est la Team Heretics qui a remonté un 9-3 contre Guild pas plus tard que hier ou avant-hier, si je ne m'abuse. Donc, sur cette même carte de bind, donc à tout moment, c'est possible de remonter un score pareil. Les Wendigo vont se montrer agressifs. On a pris un Frenzy pour Six ici qui avance accompagné de deux coéquipiers sur le long. Et ils vont essayer de faire la différence. Mais attention, Six qui se fait surprendre. Alors qu'il était bloqué par une cage. Ouais, ici on va continuer hein, les éliminations puisque West Red tombera entre les griffes de Obvious et on va initier peut-être une rotation. Non, on n'a pas, le droit de faire cette rotation hein, puisque Vrio va tomber. Lui aussi, on n'est plus que 2v1, 2v4, pardon. Ça semble compliqué hein, pour Gazou. Oh, la rotation qui est initiée par Gazou, mais c'est pas lui qui a le spike et on ne sait pas faire pérer sur le Omen de l'autre côté. Malsain qui continue de courir à toute vitesse alors qu'il y a Omen derrière lui. Hein. Il faut absolument aller à toute vitesse. Et du coup, avec ce TP, la rotation est lente et on est déjà sur le site pour 3 des défenseurs, même 4 bientôt. Ils vont avoir un avantage indéniable, c'est que la position va avoir du mal à poser. Et justement, on a repris le TP pour Gazou, mais pas pour Malsain qui va laisser tomber le spike. Plus que 30 secondes. Tellement rapide la rotation des Shield Esports, c'est hyper impressionnant en vérité. Il doit y avoir une com tout à fait affûtée. Gazou qui. Il n'est pas repéré, mais on va le chercher. On va le chasser. On a envie de récupérer cette élimination. Ça fait de l'argent en plus. Ça fait des crédits en plus pour les Shield Esports potentiellement. Et Gazou, on va pas lui laisser le loisir de remporter ce round. Il va falloir avancer quand même, seulement 10 secondes, il faut tenter au moins de faire le kill pour essayer de mettre à bien son économie. Et attention, cette décale, au pire des moments, Anaskin se montre et se débarrasse de Gazou qui ne s'y attendait pas. Je pense qu'il allait utiliser une flash pour essayer justement d'avoir l'avantage, mais mauvais timing, Anaskin était là pour l'attendre. On a du coup ce 10-3 et là par contre ça commence à devenir compliqué à remonter, ouais. Alors qu'on va investir dans des armes pour les shields évidemment, alors que je vois aussi des armes investies par les joueurs des Wendigo. Ouais, ils ont fait des éliminations, ils veulent quand même tenter le force buy. C'est assez risqué hein, parce qu'évidemment s'ils perdent ce round, le prochain n'est pas gagnable hein, clairement. Mais ce serait du 11-3 tenter. Avec un round perdu, on se retrouverait ouais. Rapidement en 12-3. C'est des risques qu'on essaye de prendre dans cette finale. Ouais, la flash est bonne ici pour Ducky, qui joue bien en duo avec Hiro. Hiro qui va tenter de saisir une élimination en suivant le drone. Peut-être, non il attend, il est patient Hiro. Et Trixor qui a le RS, hein, qui peut tout simplement couper toute explosivité à cette attaque. L'attaque d'ailleurs qui est assez patient, on est calme ligne par ligne, on a une information ici. On va tenter mais c'est Hiro qui prendra le premier kill au niveau de la short. Gazou qui ne sait pas trop quoi faire sur le long pour aller sur le site. On n'a pas vraiment les informations de l'équipe adverse. Le Cypher ne peut pas vraiment prendre d'infos sur cette attaque. Hein. S'il tente de mettre sa caméra, il pourrait se faire punir dans l'opération. Alors que là, on va être obligé de reculer. Je pense qu'une rotation va être initiée par l'attaque qui se retrouve déjà en 4 contre 5. Et la défense, du coup, qui elle est bien installée sur le site B. On va préférer aller sur le A où il n'y a que deux défenseurs.
Ouais, la rotation va être un peu lente ici pour Ducky qui est au spawn, mais ça y est, on est déjà. Oh, on a l'info. Les Wendigo. Et tu en avais parlé de ce Ducky hein, ici. Ça va faire beaucoup de dégâts. Naskin sera là pour les compléter. C'est une élimination sécurisée sur Ghost Red. On va utiliser la flèche électrique. Et pour l'instant, bah, cette attaque, elle se passe mal pour ces Wendigo. Oh, le Ducky explosif avec la paranoïa qui permet de prendre la première élimination, se retrouvant 2v3 et oh, Anaskin qui fonce dans la mêlée avec le reste de son équipe. On ne pouvait rien faire, hein. Trop de tirs dans tous les sens en faveur de la défense. Les shields étaient 4 à tirer sur ces deux pauvres adversaires qui ne pouvaient rien faire. Et la défense va remporter ce round 11-3. Bind est en train de partir totalement à l'avantage des shields qui pourraient inscrire la première carte de ce BO3. Ouais, tout à fait, c'est un BO3, on le rappelle, donc ça peut encore changer sur les autres cartes. Peut-être que Bind a été beaucoup mieux préparé par les Chili Sports que par les Wendigo, mais en effet, pour l'instant, on semble très affûté pour ces Chili Sports qui montrent tout simplement une force de frappe et une explosivité dans les plans de jeu. Et pour les Wendigo, ça va être difficile, hein. On va force buy évidemment, on n'a pas trop le choix, mais ce sera des shérifs, ce sera un Bucky, c'est pas grand chose. On va tenter un petit peu le tout pour le tout, j'ai l'impression, pour cette équipe des Wendigo. Ils doivent absolument remporter ce round, sinon ils se retrouveraient en situation critique. Et justement, on va être surpris ici. Anaskin qui est très agressif, mais attention, il est flashé. Et cette fois-ci, il ne pourra rien faire. Très bon, cet œil de la Reyna qui va bloquer les lignes et permettre de se venger. 4 contre 4, on utilise encore pas mal de ressources. Rio qui manque de balles dans son chargeur, ne pourra pas faire le kill. Ouais, et là, là où on pensait que ce premier pic pourrait suffire pour les Wendigo, eh bien ce n'est clairement pas suffisant. On arrive à revenge le coup. Enfin, on arrive à prendre les éliminations derrière. Justement, le revenge manquait peut-être. Ça aurait pu être une mauvaise situation pour les Chili Sports, puisque on était très commit hein, dans sa position pour Anaskin. Mais on s'en sort très très bien pour les Chili Sports. Et on a quand même de quoi acheter des armes pour le round d'après. Pour l'attaque, ils sont en 3-12, ils doivent l'emporter. Et cette fois-ci, ils sont tous à la Vandale, tous max shield. On peut pas perdre ça. Vraiment, si on perd déjà, bah, c'est du 1-0 en faveur de leurs adversaires des shields. Mais en plus de ça, eh bien, ça ferait mal au moral pour la suite hein, de se dire on a perdu un round ultra important alors qu'on avait l'avantage des armes en finale, et ce qui donnerait du coup à être mené. On est agressif d'ailleurs hein, ici de la part de Hiro, qui a failli être puni, prend quelques dégâts et repart en arrière. On a mis une information importante, hein. On est au niveau de cette short B, donc ça veut dire qu'à tout moment on peut initier une attaque, et on est 3 hein, pour les accueillir pour ces Shield Esports. Oh, le off de zone du Omen des Shield Esports ici, obvious, qui peut-être surprendre ses adversaires. On n'a pas l'information. Il a été très discret, il ne s'est pas fait repérer, mais on a quand même un Gazou qui est prudent. Hein, il va faire attention derrière lui. Attention, on ne pas trop avancer. Non, Gazou, pas avec le couteau dans les mains. On n'avance pas comme ça. Obvious qui était présent et qui punit cette presque rotation du pauvre Gazou qui se fera punir. Et là, maintenant, on avance sur le site B, mais le spike n'est pas du tout sur le B. Au contraire, on a un duel qui va se lancer de l'autre côté. On a le Cypher qui va être obligé de retourner avec son équipe. J'ai l'impression. Ouais, Evrio, il ne retournera pas avec son équipe. Hein. Il va tout simplement être couché par Obvious. Obvious qui garde cette bathroom. Et il a l'info du spike. Et il a l'info du spike. Et ça veut dire une rotation pour les Shield Esport. On les voit d'ailleurs tous sur la carte. Il n'y a que le Cypher qui reste de son côté sur le B. Pour au cas où prévenir d'une rotation adverse. D'un lurk adverse. Mais voilà, les Shield Esport sont déjà tous sur le BPA. Et on est obligé de revenir par le Wendigo. 12-10 secondes. Ça va être chaud. Plus que 10 secondes. On fera une élimination pour Ghost Red, mais on va se faire venger juste après par Anaskin ici. Et là, on va quand même prendre l'élimination, mais c'est trop tard. Il ne reste déjà que 2 secondes, on est en 2 contre 2, mais c'est trop tard, on ne pourra pas réavancer. Et du coup, eh bien, c'est la victoire des Shields sur cette première carte de Bind. On a manqué de temps, on a manqué d'incisivité, je dirais, pour les Wendigo eSports qui s'inclinent 13-3 sur Bind. Et donc, vous nous emmenez sur Icebox. Il va falloir se ressaisir quand même pour les Wendigo. Ouais, quelle masterclass des Shield Sports ici qu'il nous propose. C'est vraiment du très très beau Valorant, des exécutions timées bah, parfaitement, tout simplement. On a beaucoup d'explosivité. Et puis évidemment, le skill mécanique est là. On colle les têtes, bien entendu, pour ces Shield Sports, hein, pour ces jeunes joueurs des Shield Sports, puisqu'ils sont, ils sont assez jeunes. Sauf Ducky voilà, qui est plus âgé. C'est les insights que j'ai. Mais tu l'as dit, Icebox, c'est une carte complètement différente de Bind. C'est vraiment une topologie. C'est l'opposé, hein, tout simplement. C'est une carte beaucoup plus ouverte. Donc, ça avec peut bien plus de longues lignes. Ouais. On devrait avoir de l'opérateur.
Donc sur Icebox, on devrait avoir aussi des compositions différentes. Hein. Comme tu le dis, c'est une map totalement différente avec beaucoup plus de longues lignes. Donc on pourrait avoir de l'opérateur, on pourrait avoir justement de nouveau de l'arena. On en a vu une, peut-être pourquoi pas deux, hein, puisque c'est une map sur laquelle les duellistes peuvent rapidement prendre des avantages et donner des rounds complètement différents. On devrait aussi avoir pas mal de contrôleurs. Hein. Évidemment, c'est Viper qui est quand même pas mal joué sur cette carte de Icebox, puisque avec sa capacité du mur de gaz, eh bien, elle peut faire la différence pour bloquer les lignes qui sont, comme on a dit, très longues, hein, surtout sur l'un des deux sites qui est très ouvert, hein, le site A. Donc ça ne m'étonnerait pas en tout cas de voir des compositions qui s'adapteraient un petit peu, même si on ne joue pas au plus haut niveau que l'on connaît sur Valorant, eh bien il y a quand même un minimum de stratégie qui devrait se mettre en place. Et je m'attendrais aussi à pourquoi pas voir de la Jett, je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui, et je suis vraiment étonné car c'est vraiment un pick qui est très apprécié à haut niveau, que l'on ne voit pas encore aujourd'hui, et pourtant c'est le duelliste qui normalement est le favori sur les opérateurs, hein, évidemment, puisqu'on peut se permettre d'être agressif, on tente un tir et puis on peut s'en aller à coup de dash. Donc on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant parce que justement on a joué très peu d'opérateurs, mais sur cette carte de Icebox, je serais étonné de ne pas en voir du tout parce que on a le site A comme le site B comme le mid qui sont très très longs, et donc pas avoir de sniper sur cette carte m'étonnerait énormément. Après ça veut dire commit sur un type de composition, hein, de ce que je comprends, on aime avoir un smoker, un flasher, et évidemment en ouvreur, c'est un petit peu le pari, c'est est-ce qu'on en met un seul et qu'on préfère avoir un peu plus de contrôle, ou est-ce qu'on en met deux et dans ce cas-là on joue plus agressif. Tu l'as dit, Reyna devrait apparaître sur cette carte, donc est-ce qu'on préfère vraiment une Jett à une Reyna qui a quand même cette flash aussi, donc c'est difficile à dire et c'est un peu un pari des équipes. Moi j'aimerais vraiment beaucoup voir cette Viper, en tout cas le choix des personnages ici est engagé. Et on voit déjà, pour l'instant, des petites surprises. Il semblerait garder le Omen de chaque côté, hein. Obvious et Malsain qui l'avaient déjà gardé sur la carte précédente. On voit de la Viper, par contre, pour Trixor qui semble abandonner. Oui, il la sélectionne et donc on va pouvoir la garder jusqu'au bout. On aura donc une Viper à la place d'un Cypher pour Trixor. On a le Sova toujours pour Anaskin, ce qui n'est plus le cas pour, enfin ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour les Wendigo qui ne l'avaient déjà pas joué la carte d'avant. Par contre, on a une Sage, deux Sages d'ailleurs sélectionnés pour l'instant du côté Wendigo. Il va bien falloir se décider sur qui la jouera. Mais on n'a plus de Reyna, on n'a pas de Jett et on a toujours une Raze par contre de chaque côté. Et on a cette Sky aussi qui a été choisie par Duffy. Et ça, je trouve que c'est un choix très intéressant. C'est un héros qu'on n'avait pas encore vu. Est-ce que Six va valider cette Jett? Est-ce qu'on va repartir sur cette? Oui, tout à fait. Il va la valider. On va repartir sur ce setup double initiateur, Raze et Jett. Pas de Reyna, pas de Viper non plus, hein, pour ces défenseurs, pour ces Wendigo qui auront beaucoup moins de contrôle. Par contre, on va jouer sur beaucoup plus d'agressivité avec ce duo d'initiateurs. On va voir si ça va payer. Mais en tout cas les Shield Esports qui ont l'air d'avoir préparé cette composition. Oui, on a pas mal de changements dans les compositions, j'aime bien en vrai hein, de se retrouver là-dessus. La Viper que l'on attendait évidemment, hein, qui semble vraiment être un pic phare, du moins en Europe, je dis pas qu'elle est jouée partout, en Europe en tout cas elle est vraiment énormément jouée. Un petit peu moins en Nord-Amérique de ce que j'ai vu en tout cas en observant les Challengers et les Masters récemment, eh bien, on voit pas forcément de la Viper. Dans cette carte de Icebox sur les autres régions, mais en tout cas elle est très appréciée ici et donc je ne suis pas surpris de la voir. On va pouvoir l'installer justement sur l'attaque pour commencer pour les shields qui vont investir sur des fantômes, sur des ghosts, ouais, tout à fait. Des ghosts pardon. Tout à fait. Ouah, les ghosts, des fantômes, c'est voilà. C'est la même chose. c'est juste dans une autre langue, mais arrêtez. En tout cas ouais. Les shields sont dirigés sur. Ouais, ça va être une attaque A pour ce premier round en shield. Quoique, on change d'avis. Ils ont prise d'info. Ouais, ils sont en prise d'info, de toute façon, voilà, on contrôle tranquillement. Ouais, Ghost Red. Oh là, Ghost Red qui trouve deux têtes et dont une élimination. C'est très très bien pour les Wendigo. On a l'information, on va pouvoir faire une rotation très très rapide. Mais évidemment, les Shield Esports n'entendent pas de cette oreille, on met beaucoup d'explosivité dans cette attaque. La smoke qui sera posée par la Viper. Et Evrayo ici qui va, Rayo pardon, qui va décaler depuis cette hauteur. Malsain qui trouvera aussi une élimination. Malsain qui fait un très très bon taf depuis le début de son match.
Ils ont réussi à éliminer le poseur de Spike, hein. Donc le Spike est tombé, ils n'ont pas pu poser tout de suite. C'est enfin posé, mais c'est peut-être déjà un peu tard. La défense est déjà revenue, ils sont à l'avantage en 4 contre 3. Ils vont prendre le contrôle du point et on va perdre en plus Obvious. On se retrouve donc en 4 contre 2 et on n'a pas la vue sur le Spike. Il va être obligé de décaler ici parce qu'on ne fake pas du tout, hein, pour la défense. Et on n'a pas la vue, on ne va pas leur foncer si on s'est perdu. Et c'est en effet le cas, les joueurs des Wendigo qui font un très très bon retake. Aïe aïe aïe, c'est très très bien fait ça par les Wendigo et les shields qui empathisent ici, c'est beaucoup plus convaincant hein, ce que nous montrent les Wendigo dans cette reprise. On a du reset mental, on a juste remettre un petit peu dans le match, et du coup économiquement évidemment on se met bien, on va pouvoir acheter des petits fantômes cette fois-ci, et voilà, et du coup on aura un avantage de puissance de feu. Les Shield Esports qui ont l'air de partir tout simplement sur un full écho, on va juste jouer au classique pour pouvoir avoir une économie un peu plus agréable pour le prochain. Je suis un peu étonné de voir Six qui investit quand même sur une Spectre alors que je l'ai vu pendant longtemps ne veut rien acheter. Je me suis dit il va partir sur une écho complète pour avoir un opérateur dès le round de 3, mais on va préférer du coup investir sur de la Spectre et être à l'avantage total pour cette équipe des défenseurs qui ont déjà pris 3 éliminations et oh là là, on a Malsain qui prend la 4ème alors que Gazou a l'avantage dans son duel et oh, c'est clean, hein, personne ne compte. Ouais, c'est très très propre. Bon, voilà, on a un avantage de puissance de feu, évidemment. On joue très agressif et très libéré pour les Shield Esports. Ils savent que voilà, c'est pas un round qu'ils vont jouer parce qu'ils sont totalement en désavantage. Donc, ils essayent de prendre des éliminations pour revenir plus fort. Et ici, c'est avec des Vandals, full Vandal, full et bien Shield. Et on va être très très bien. On va évidemment avoir un très gros avantage sur leurs adversaires qui, eux, ont été obligés de racheter des boucliers. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. On avait joué très agressif, ouais, pour la défense au round précédent et vu qu'ils avaient l'avantage des armes, ça a payé rapidement. Là maintenant, vont-ils adopter la même stratégie alors qu'ils savent que leurs adversaires vont être mieux équipés? On va prendre les infos rapidement avec ce drone qui est envoyé par le Sova en attaque et je pense qu'on sait déjà qu'il y a au moins encore un joueur sur le point. C'est Gazou qui s'est fait repérer avec ce drone et on va repartir du coup en arrière, reprendre le spike pour sans doute se rediriger sur A puisqu'on a Trixor qui a énormément avancé avec sa Viper. Ouais, il a beaucoup d'informations Trixor ici et il va pouvoir permettre à son équipe d'effectuer une rotation. Il est peut-être entendu d'ailleurs Trixor, il a un peu raté son jump. On va utiliser le boombox pour dézoner et on devrait avancer avec beaucoup d'explosivité tel qu'on les connaît, hein, Shield Esports. Élimination quand même sécurisée par Ghost Red sur Trixor qui monte son duel de peu. Et on va pouvoir s'engager ici, la très bonne tête trouvée par Hiro et ça semble faisable ici pour les Shield Esports. Très bonne percée de la part des Wendigo qui ont bien avancé sur le point, mais on revient rapidement. Mais non, Vrio en descendant, se fera punir par Hiro qui fait le triplé. Il tombera tout de même juste après. On a un Six qui se balade un petit peu derrière. Il n'a que 30 points de vie par contre avec sa Vandale. On va avoir quelques difficultés à reprendre là-dessus, mais il va quand même le tenter. Il a repéré un joueur, mais non, le flic ne passera pas. Et Obvious fait le kill. Ouais, c'est bien fait hein, de la part de Shield Esports, même si Wendigo les ont fait suer, on a quand même pris 3 éliminations, c'est beaucoup. Mais voilà. C'est un bon round 3 en vrai de la part de la défense, hein. ils n'avaient que des spectres face à 5 Vandales, ils font quand même 3 kills et ça s'est joué à peu de choses pour que Six fasse pire, je dirais, dans les dents de ses shields, qui ne s'y attendaient pas forcément à un petit Six qui flanque, mais c'est Jet qui pour l'instant s'illustre dans ce début de match, enfin ce début de Icebox plutôt, et on se retrouve du coup en 2-1 Vandales de chaque côté. Ouais. Là c'est le vrai round, hein. C'est là que beaucoup de choses vont se jouer au niveau économique notamment, mais aussi au niveau psychologique hein, tout simplement. C'est vrai que voilà, si ce round est mis par les Wendigo, ça peut faire mal. Et on va utiliser le bouclier final, on rentre dans la mêlée pour Hiro qui fait fuir ses adversaires alors que justement les Wendigo vont jouer en retake, mais Malsain se fera punir dans l'opération. Très bonne esquive de la part de la Jet de Six qui va éviter ce bouquet final. Mais à côté de ça, eh bien, c'est 2 éliminations de prise en faveur de l'attaque. Et le spike est posé. Il va falloir commencer à accélérer les choses pour la défense afin de tenter la reprise. Alors que Gazou, lui, est derrière. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait l'info. Ouais. Peut-être que... On est attendu, on est attendu. Il est attendu par de qui va le punir, ce bon Gazou. La décale de Vrio quand même, qui trouvera une élimination sur Anaskin. On est flash pour Vrio, on va pouvoir se cacher. Mais voilà, on va essayer de reprendre. On va utiliser l'ultimate de cette Jet. La flaque de poison qui est posée, la morsure de serpent. Et Wendigo, Six qui trouve l'élimination, il va tomber. Mais Vrio, il désamorce. Vrio, il sera quand même éliminé par Trixor malgré tout. Mais ça s'est joué à peu de choses.
et on n'aura aucune arme sauvegardée. Et personne n'aura survécu à ce round de 4. Même si on l'emporte pour les Shields, on se retrouve économiquement un petit peu en difficulté, j'ai l'impression. Puisque bien, il va falloir réinvestir ici. On n'a pas d'arme pour Hiro, par exemple, qui a en plus de ça utilisé son ultime en round de précédent. Il va falloir tenter le clutch, même si la défense, elle, n'a rien du tout, encore moins que leurs adversaires. Mais un round un petit peu difficile, je trouve ça un petit peu dommage d'ailleurs que Vrio ait cancel la diffuse au tout début, hein. Il a fake diffuse, et finalement, eh bien, s'il n'avait pas fake, qu'il avait continué, avec le temps donné par sa jet, il aurait peut-être pu au moins avoir la moitié, si pas même terminer la totalité de la diffuse, et donc peut-être même remporter le round. Ouais, je pense qu'il voulait être là pour revenge son coéquipier, mais malheureusement, il n'était pas suffisamment avancé pour ça. On va engager sur une agression très rapide sur le de la téléportation au sommet de ses containers. Abus qui va se faire cancel et Wendigo dans les smokes avec son Bucky qui peut peut-être surprendre. Il va surprendre d'ailleurs, il va trouver une élimination. Oh, la petite surprise ici avec ce Bucky que l'on attendait au début de cette finale évidemment. On a l'avantage maintenant du côté de la défense malgré l'infériorité des armes achetées. Mais Anas qui n'est toujours en vie avec une Vandal, il va surprendre ici, il est obligé de reloader. Non, faut pas reload à ce moment là et Gazou va s'en débarrasser. La défense remporte ce round contre tout Totano. Belle réaction de Gazou, hein, de redécale ici sur la recharge, malgré le pré-shot bien senti quand même. Eh bien, il n'en est rien, Anaskin tombera. C'est un round qui fait mal. Ouais, carrément. Il y a un ulti, Viper qui a été utilisé tout de même. Il y avait des armes qui ne sont plus là maintenant pour les shields, et donc on se retrouve en infériorité totale sur ce sixième round qui semble se masser sur du A. L'objectif à mon avis va être d'avancer rapidement pour l'attaque afin de surprendre, mais on est attendu par un Ghost Red qui va tenir sa ligne sur cette hauteur, et justement on a repéré l'adversaire mais on n'arrivera pas à lui décaler une balle. Ouais. Là on veut faire tomber des arbres, hein. Et on est vraiment très très agressif pour utiliser une élimination quand même trouvée par Fixor, mais c'est mal 5 ici, Lustre ici avec 2 kills. Par contre Obvious est là à sa retombée pour le surprendre, pour le cueillir même j'oserais dire, et on va amorcer le spike. C'est une très belle opération pour les Shield Esports. Six qui va quand même essayer de prendre une élimination ici sur Hiro, mais il l'a pas vu passer. Il y a 3 contre 3, ils ont à peu près les mêmes armes, hein, alors qu'on n'a pas vu son arme ici qui dépassait, non. Oh si, le flic qui passe aussi, qui met la tête à Hiro. On est en 3 contre 1 cette fois-ci, même si Trixor a une arme, eh bien ça semble être difficile, il n'est pas repéré sur la hauteur. Il entend la jet, il va la chercher justement, il l'a vu mais non. Brio est là pour bloquer toute opportunité, la défense l'emporte. Ouais, ça s'est pas joué à grand chose cette fois-ci, hein. Les Shield Esports ont vraiment été très agressifs et qui ont fait des éliminations. Malheureusement, on n'avait pas les armes de départ, on n'a pas pu affaiblir en point de vie. C'est Wendigo qui bien caracole en tête avec un 4-2, le break est fait. Mais j'ai l'impression que les Wendigo sont bien plus à l'aise sur les rotations et sur les retakes surtout de cette carte d'Icebox. Ouais. C'est ce qu'ils avaient du mal à faire sur Bind, c'est-à-dire reprendre le site après la pause. Et là, cette fois-ci, eh bien, à chaque fois que le spike est posé, on les voit bien plus coordonnés, bien plus rapides surtout. Ils surprennent les Shields qui ne sont pas habitués à une telle rapidité de jeu de leurs adversaires après la carte de Bind. La jet ici qui est positionnée de manière très agressive, on sait qu'elle est là. On va prendre l'espace rapidement au niveau de ce mid, personne n'est là pour le contester. Et pour prendre l'information, les fameux choufleurs, on en parlait au début, ils vont être envoyés par Ducky. Et Hiro qui va courir sur son adversaire, la décale qui est très très bonne ici. Oh, double kill pour le joueur des Shield Esports. Cependant, eh bien Ducky a perdu la vie dans l'opération. C'est un 3 contre 2 et on sait que les Wendigo en sont tout à fait capables. On a aussi une raise complètement dans le bac, hein. Elle est au point de réapparition de ces shields et j'ai pas l'impression qu'on l'attende, alors que la jet de Six va être attendue par le Omen, et justement le duel se lance. On utilise le dash mais on n'arrivera pas à mettre la balle juste après. 1 contre 3 et Ghost Red est complètement derrière. Il n'a pas été repéré je pense, mais on a peut-être entendu son drone. Ouais, je pense qu'il est attendu, hein, dans tous les cas, il va utiliser son bouclier du final. Mais il est repéré par ce drone, il va prendre des dégâts. Et il ne va pas en faire 73 HP pour Ghost Red qui est sur le BP. On sait qu'il est là et il va être puni par Hiro de la Luna. Ça arrive. Parfait. Très bon travail en tout cas de la part de ces shields cette fois-ci qui ne se laisseront pas surprendre. Ils arriveront à poser en gardant l'avantage numérique et surtout la retake ne sera pas possible. Ils bloquaient bien les lignes. Un très bon boombot, hein, envoyé par la raise
pardon, de Hiro qui justement va empêcher finalement l'agression de Ghost Red, qui pourtant avait fait un bon move, je pense, avec son bouquet final. Hein, c'était le meilleur moyen de se diriger sur le site en 1 contre 3, de finalement repousser l'adversaire, mais c'était sans compter ce pauvre Boombot qui donne l'information et qui l'empêche finalement d'avancer plus que ça, ce qui fait qu'on est en 4-3 maintenant. Ouais, tout à fait, c'est un nouveau round d'achat hein, quand même. Wendigo qui a eu une information assez importante. Ça devrait pouvoir permettre à ses coéquipiers d'effectuer une rotation. Il a vu que tous les Shieldsport étaient là, le loup qui est lancé malgré tout. Et on va reculer directement. Mais Ghost Red et Malsain sont dans le dos déjà, ils peuvent surprendre. C'est eux qui vont se faire surprendre. mais ça y est, c'est fait, c'est deux kills sécurisés pour les Shieldsport qui vont évidemment aller en A. Et Obvious qui s'est téléporté directement sur le site, mais c'était pas lui qui a le spike, il ne pourra pas poser instantanément, mais au moins il peut prendre les infos plus rapidement. Attention, il se fait repérer, il va se téléporter en arrière pour pouvoir être peut-être soigné par sa Sky, et surtout pour pouvoir s'en sortir de face à ses adversaires. Brio sur la hauteur prendra le kill sur Trixor, il va descendre par la suite, il est ralenti par sa propre orbe de ralentissement, mais c'était pas grave, en tout cas on est en train de jouer à la retake. Ouais, Gazou ici qui a avancé, on a un Omania planqué dans sa smoke qui va peut-être pouvoir calmer les ardeurs de ces Wendigo. Gazou qui cherche, qui essaye de prendre ce bridge, mais c'est très compliqué, ça y est, c'est fait, il prend tout, avec un très bon transfert de spray. Gazou le bridge qui va tomber sous les coups de Vibus malgré tout, mais c'est quand même beaucoup de dégâts économiques occasionnés par ce Wendigo. Il avait l'info du Omen sur le site parce que sa Sage était morte juste avant et à mon avis il a dû le lui dire évidemment, mais il n'arrive pas à faire la décale. Obvious qui lui était prêt en fait, l'attendait, il savait qu'il était au-dessus, il savait qu'il allait redescendre et donc il finit par l'attraper. On se retrouve à égalité sur cette attaque et malgré finalement je dirais de très bons rounds joués par l'équipe des Wendigo, eh bien on n'arrive pas forcément à contrer totalement les Shinds qui s'adaptent rapidement dans leur style de jeu et se retrouve à accélérer le rythme encore pour déstabiliser leurs adversaires. Ouais, je suis vraiment très très impressionné par les rotations rapides qui nous sont proposées ici par les Shieldsport. Ils savent vraiment quoi faire dans chaque situation. En tout cas, ils ont de très très bonnes réactions. Ici, on va avoir un Malsain caché dans sa smoke qui peut surprendre ses Shields, mais c'est probablement lui qui va se faire surprendre parce que on va pas cross cette smoke. On va bien être patient, on va bien attendre. Ça y est, il est vu hein, ici, Malsain. Le double satchel qui est utilisé par Hiro pour surprendre ses adversaires, c'est fait. Oh là 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 là, c'est totalement explosif ce qui nous est proposé là. Il a foncé dans la mêlée, aucune hésitation dans la tête de cette race qui va coller des têtes à ses adversaires dans la même opération. Et Gazou qui se retrouve en 1 contre 4, il y a une Sky et une race qui sont low, mais c'est sans compter sur un Obvious qui n'est jamais à l'endroit où on l'attend. Il n'est jamais à un endroit Obvious, justement, ce bon Omen qui fait la différence et qui permet à son équipe d'avoir l'avantage maintenant sur cette carte de Icebox. Et ouais, ça y est, après avoir caracolé en tête, les Wendigo se font maintenant rattraper et dépasser par ces Shield Esports. On part sur un nouveau round d'armes et Trixor avec un... Comment s'appelle cette arme? On ne la voit absolument jamais. Et donc je ne sais même pas son nom, mais un shotgun en tout cas. On va le garder, on l'avait acheté sur le round précédent et là maintenant on se retrouve... Et maintenant tu m'as fait hésiter, tu connaissais pas le nom et je l'avais en tête et maintenant que tu l'as dit je m'en souviens plus. C'est terrible. Alors qu'on a envoyé ce ultime de la Sky pour prendre les informations et avancer rapidement sur le site. Et on utilise aussi ce nuage de gaz de la part de la Viper afin de prendre l'information sur le site. Et on va utiliser pas mal de ressources pour le retake, qu'on joue rapidement. Ah, mais Viper là il va beaucoup perturber Malsain et ses coéquipiers. Malsain qui peut essayer d'égaler une panne hein, évidemment pour essayer de prendre des informations, essayer de prendre une élimination, mais donc il est très patient. Et les Shieldsport sont très patients et très bien cachés. On est encore 5, on n'a pas de raison de se donner. Le spike est amorcé et Trixin est dans la smoke. Il attend, il va peut-être prendre une élimination. Ça y est, le bouquet final qui est utilisé, ça va suffire. Hiro, oui! Bien sûr que ça marche dans le gaz, on ne voit pas l'adversaire, mais le bouquet final qui permet de prendre le triplé. Et ensuite on enchaîne sur le quintuplé total. Hiro sur sa raise, impossible à déloger sur le site A. Et il va permettre à son équipe de prendre un avantage certain, puisqu'on est à 6-4 maintenant, 4 rounds d'affilée remportés. Ah, le pentakill, on n'en avait pas encore vu, hein, mais c'est Hiro ici qui inscrit son nom pour cet exploit dans ce match face au Wendigo. Et on dépasse largement hein. c'est le break qui est effectué, plus de points pour ces Shieldsports. Et ça se passe bien pour eux, nouveau round armé malgré tout, mais ça va être un round difficile économiquement.
La défense a quand même de quoi investir, ils ont des armes à faire valoir tout de même, mais on va se diriger sur le site B, j'ai l'impression, alors qu'on prend une très bonne animation de la part d'Anaskin sur Six qui décalait en plein mid et qui va se faire récupérer. On est maintenant en 5 contre 3 et la défense est en difficulté, ils vont tout de même faire le reste, mais c'est sans compter sur Hiro qui avance sans peur et fera l'élimination. Ouais, de qui va manger son coéquipier, qui est repéré ici par Six, Six qui va spammer, qui va essayer de prendre l'élimination, mais pendant ce temps-là, eh ben, tous ses coéquipiers sont morts hein, de l'autre côté de la map. Et donc on devrait pouvoir amorcer le spike, on ne le fait même pas. On va juste chasser Six. On a l'information de à peu près là où il est, puisqu'on a clair beaucoup de zones, mais pas exactement de où il se trouve. Et il va en profiter, Six, pour essayer peut-être de sécuriser l'élimination. Est-ce qu'il va dire non, il n'est pas vu. Anaskin qui vit à la recherche de son adversaire, alors que je pense qu'on économise hein, de la part de Six qui s'est fait réanimer. Il est bien caché et je ne pense pas qu'on le trouvera. Donc c'est une écho tout à fait réussie de la part de cette Jett. Quoique Anaskin est quand même en train de se rapprocher dangereusement. On va avoir un duel qui va se lancer juste là. Il a hésité. Oh, la tête! Elle est tellement belle, la tête de Anaskin ici. Collée sur son adversaire, t'es un petit cadeau. Pépite. Et du coup, là, on se retrouve en difficulté pour la défense 7 à 4. Le scénario commence à tourner au vinaigre pour les joueurs des Windigo qui pourtant menaient 4 à 2. Donc ça fait déjà 5 rounds d'affilée. Et on a du coup un opérateur, deux opérateurs qui vont être investis. On est sur le dernier round de cette attaque des Shields. Et donc, ils vont tenter le tout pour le tout. Ils ont de quoi se le permettre. Et donc, ils vont peut-être surprendre leurs adversaires avec le double opérateur. On a justement Six sur le mid qui pourrait être surpris. Mais on a un Bombad qui va donner l'information. Et la balle qui va être lancé, du coup Six qui punit Hiro. Ah ouais, Hiro qui n'a pas fait confiance à son coéquipier pour casser son boombot et du coup il se fait punir. Et Six qui va du coup pouvoir récupérer cet opérateur si fort et si important. On donne quand même une arme très très importante, très 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 très, très puissante et très game changer à ces Wendigo. Mais Shield is porté déjà sur le BP A et on va peut-être pouvoir amorcer ce spike. Oui, c'est fait. Obvious qui va quand même essayer de protéger son coéquipier malgré tout. Le spike qui est posé en plein milieu du site, difficile du coup de le diffuse discrètement. Et oh, Six qui se fait punir, Obvious qui était bien caché, la téléportation qui avait été bien placée rapidement sur lui qui surprend. On a quand même Brio sur le site accompagné de sa raise. On fait les kills pour Ghost Red, le doublé qui est pris. On utilise cette ultime de Anaskin afin de chasser les possibles diffuses. Et finalement, il se retrouve en 1 contre 2 et il n'a pas le temps. Il faut avancer, on est attendu par un opérateur qui justement va lui coûter la vie. Ouais, c'est bien joué ça. On parle de cet opérateur hein, qu'on a osé prendre face à ces... Un double opérateur qui leur a coûté cher. Ouais, qui leur a coûté une roue, mais ça y est, c'est le changement de côté. On va flip side et passer sur l'attaque des Wendigo. Donc évidemment, Gunrun tout à fait classique. Hein. C'est les Ghosts qui sont pris. Un pistolet très puissant. Et les petits boucliers. Je suis assez étonné. Ces derniers temps, à niveau pro, je vois quand même beaucoup plus de Frenzy hein, qui est clairement bas. La stratégie pure et dure de tu rentres dans le tas, tu fais rapidement les éliminations et après tout, comment tu veux survivre face à un mec qui te court dessus au Frenzy hein, dans un pit-soul round. Mais ici, on préfère les Ghosts, en tout cas aujourd'hui, entre ces deux équipes. Et les Shields, du coup, qui semblent se masser en A, principalement 3 joueurs sur le site et 1 sur le mid qui est vraiment pas loin, alors qu'on a seulement une Viper pour défendre le site B. La coche sortie. Un héros ici qui va utiliser ça. Un petit peu tôt, cette petite sacoche explosive. Mais le premier kill est déjà sécurisé par Obvious. Ghost Red, il est vu et Obvious va calmer Vrio pendant ce temps-là. Ghost Red prend des dégâts, il va utiliser le Boombot, mais le mal est fait déjà. On a perdu deux coéquipiers, on a perdu le Spike aussi, Obvious qui joue, qui se rit de ses adversaires. Ghost Red quand même, il va prendre un kill, c'est sur Hiro. Mieux vaut pas trop rire parce que pendant qu'il riait, il y a quand même l'eau qui est tombée dans l'opération. Ghost Red qui enchaîne d'ailleurs sur un deuxième kill, mais puni par Obvious cette fois-ci qui fera lui le triplé de son côté. Ghost Red fera tout de même l'élimination après sa mort avec sa grenade. Et pour l'instant, on est en 1 contre 1. On a le spike pour Malsain qui va récupérer un ghost bien chargé. Il pourrait se diriger sur A, mais attention, on se dirige plutôt sur le mid. Et Obvious était encore une fois à un endroit inattendu. Le Omen qui fait le quadraki. Ah, l'intelligence de jeu de Obvious qui tout simplement surprend ses adversaires et effectue des rotations et prend ses timings de manière vraiment très impressionnante. C'est super bien fait ce qui est fait par le joueur de Omen des Shield Esport. Et du coup, eh bien, il donne le rune à ses coéquipiers et on va pouvoir s'armer.
de patience, mais aussi eh bien de puissance de feu pour les Shield Esports. Des fantômes, évidemment, mais aussi ce shérif. Ce Marshall. On avance groupé pour l'attaque. Les Wendigo qui n'ont pas vraiment l'avantage hein, au niveau des armes, et donc ils vont avancer de manière le plus groupée possible afin de déstabiliser la défense. Attention, cette flèche électrique qui touche deux joueurs et qui les met si low en point de vie. Très bonne flèche ici. On va tout de même soigner le breach avec la Sage, mais on n'a pas vraiment l'avantage maintenant pour les attaquants qui sont à peine en train de poser, et la défense est déjà placée. Ah, il y a déjà quasiment plus de HP hein, chez ces joueurs de Wendigo, donc bah voilà, on peut jouer très agressivement. Hiro qui en fera deux d'ailleurs au niveau du main, au niveau du spawn. On continue, Gazou qui quand même va s'emparer d'une élimination, mais ça y est, c'est déjà gagné aussi rapidement que ça a commencé pour les Shield Esports. On va pouvoir désamorcer le spike. Et on s'envole pour les Shield Esports au niveau du score. 4 rounds d'avance, et cette fois-ci par contre eh bien, on va se retrouver avec une certaine infériorité en termes de puissance de feu. C'est 5 vandales qui sont sélectionnés par l'attaque, j'ai l'impression, quoique Six a revendu son arme. Est-ce qu'il va économiser? Non, il la reprend évidemment, ces 5 vandales pour l'attaque qui semble encore une fois vouloir se diriger sur le site A, d'après le positionnement que je vois, alors que la défense, elle, se masse en B. On est 3 et on est très agressif. Ouais, c'est assez intéressant, on a un bloqué entre les mains d'Obvious. On va utiliser la morsure du serpent pour Trixor pour essayer de ralentir cette attaque et permettre à son coéquipier d'avancer, évidemment. Et Wendigo qui patiente tranquillement. On est sur un contrôle map classique, on prend des informations. Il essaie aussi de prendre des éliminations, bien sûr. On a mis Spike en sécurité en plus. Les Wendigo qui semblent vouloir se diriger sur B. Et vu le positionnement agressif de la défense, je ne suis pas sûr que ce soit une belle idée. On a vu, en tout cas, l'un des joueurs ici sur la caméra de Six qui a l'information, mais il n'a pas l'information sur les autres. Il pourrait être surpris. On a dashé dans les airs afin d'avoir la vue, mais on est bien caché par les films. Ce qui n'a toujours pas été vu. Hiro qui va essayer de surprendre Six qui bien ne s'y attendait pas. Malsain qui essaie de prendre, de venger son coéquipier, mais ce n'est pas fait. C'est du 1 pour 1 pour l'instant, mais on perd aussi Gazou avec une très bonne décale d'Anaskin. Et on a déjà un Ghost Raid dans le dos. Par contre, il faut faire attention à cette raise. Et ben, on y a fait attention pour Anaskin. Anaskin qui fait une très bonne finale. Hein. En général, je dirais qu'il caracole en tête des classements pour les shields. Jusqu'à maintenant, il est solide sur le sauva. Il donne les informations. Il survit la plupart du temps. Il gagne ses duels. On va poser sur le site A. Mais on a la rotation qui va se faire en 2 contre 4. Les joueurs Wendigo vont laisser passer le contrôle du site. Ouais, tout à fait, les Shield Esports qui vont donc jouer en reprise. Malsain ici avec le Omen, on l'a vu bien performer hein, sur ce pic depuis le début de la déportation. Il va être surpris ici par Obvious qui continue à montrer sa capacité à surprendre ses adversaires. Et on est tout seul pour Vrio ici sur cette hauteur. Il essaye de spam dans la smoke pour empêcher le diffuse, mais il se prend trop de dégâts. L'aim punch l'empêche de viser droit et on va pouvoir diffuse et on va même prendre le kill sur Vrio. C'est catastrophique. Alors on perd toutes ses armes, on perd ce round important pour les joueurs des Wendigo qui se retrouvent menés de 5 rounds, plus vraiment le droit à l'erreur. Ils vont vouloir réinvestir, j'ai l'impression, dans ce round. Je vois des mini shields qui sont sélectionnés, je vois des méga pour Gazou alors qu'il n'est accompagné que d'un shérif. C'est une écho quand même qui semble être faite plus ou moins hein. On va pas vraiment économiser, mais en tout cas on va pas forcément give up le prochain round non plus. Et ils vont se masser sur le A, encore une fois, j'ai l'impression, quoique on hésite pour Malsain qui pose le spike en mid. Ouais, de toute façon, on va un peu travailler les zones, essayer de prendre une élimination au shérif. Hein. On sait que c'est tout à fait possible. Un one tap avec cette arme. Six ici qui va être repéré dans le mid, il va s'avancer tranquillement. Et de qui donne l'information à ses coéquipiers, bien sûr, il va pouvoir reprendre cette kitchen avec le loup. Et deux kills qui sont pris à côté de ça, Hiro et Obvious qui ont avancé et qui vont faire de nombreux dégâts. En plus de ça, ils ont l'information sur le spike qui est posé juste devant. Et on a que Six sur le mid qui va se faire flanquer par Hiro qui va aller lui arracher la tête avec sa spectre. 11-5, les shields qui ont eu du mal sur le début de cette carte, mais qui finalement, après s'être adapté, montrent leur supériorité. Ah bah c'est parfait hein, tout simplement, on est très très clean pour ces Shield Esports qui ne cèdent pas un poil d'espace, un poil de... bah un point tout simplement hein, pour l'instant. Et les Wendigo bah ici qui sont un peu échec et mat, et qui vont devoir absolument performer sur cette nouvelle attaque s'ils veulent s'en sortir, parce qu'après économiquement on sera très très mal.
pour le dernier round. Donc il faut absolument que ça se joue maintenant. On essaye d'avancer sur le site B, on avance de manière coordonnée et groupée surtout pour l'attaque. On a fait reculer immédiatement la Viper adverse alors qu'on est directement bloqué par toutes les capacités de cette Viper qui ralentit l'équipe adverse. Et Trixor justement sur sa Viper prendra la première élimination, on est en 4 contre 5 pour l'attaque. On va pas amorcer le spell, oh, ça c'est un très bon bouquet final de la part de Hiro qui viendra s'emparer de la vie de Vrio et continue. La décale, elle est très très bonne de Hiro sur Six qui tombera. Et c'est un 5 pour 12 ici en faveur des Shield Esports. Ça a l'air très compliqué pour les Wendigo de revenir. C'est voilà, c'est le dernier point, mon cher Dams, potentiellement. Et encore une fois, les Shields qui montrent leur capacité à accélérer le jeu. Ils ont rapidement compris que leurs adversaires arrivaient sur B, la rotation s'est faite presque instantanément. Les joueurs des Shields se retrouvent donc rapidement à 5 sur le site B, surprenant leurs adversaires qui eux ne s'attendaient pas à une rotation si rapide. Et en plus de ça, on a des utilisations d'ultime qui surprennent, hein, Hiro qui n'a pas hésité une seule seconde et qui avance à côté de bouquet final. J'ai bien cru qu'il prendrait le doublé, alors que là maintenant on est attendu par cet opérateur et ça ne touche pas pour Obvious. On a quand même l'information, on a vu deux joueurs, ça va probablement être partir sur une rotation des Shield Esports, elle est déjà effectuée ici, on est 3 sur ce BPA et on repart, mais non sans avoir cédé l'avis de Vrio dans l'opération, Obvious qui fait parler l'opérateur, et on va déjà ralentir le jeu. Ah il n'y a pas le spike, c'est terrible. Ah oui le oh ça a bien failli coûter la vie, on a eu peur tout de même pour cette race qui a foncé à la mort et qui a de la chance qu'Obvious ait manqué son tir. Et là on a un 2 kick à une ligne très importante parce qu'il sait s'il y a une rotation, il a communiqué avec ses teammates, la rotation ne s'est pas effectuée, c'est un bait. On va utiliser le bouquet final pour Ghost Red, ça va prendre l'élimination sur Obvious et on va pouvoir prendre l'espace. Mais Anaskin est là avec son instinct du chasseur pour prendre l'élimination sur Malsain. On a cédé la vie de deux coéquipiers et on prend beaucoup de dégâts pour les Wendigo, mais on prend aussi les éliminations. 2 kick qui sera quand même là pour calmer Six sur cette hauteur et ça semble quand même faisable pour les Wendigo. On a une raid sur le point qui en plus n'a qu'un seul point de vie. Ghost Red qui va finalement tomber, éliminé par Anaskin qui dérange sur son Sova et qui va même plus que déranger puisqu'il va remporter ce round pour son équipe. Et c'est terminé, on est en 12-5, la diffuse est en train d'être faite et ce sera donc 13-5 sur cette deuxième et dernière carte de la finale. Le BO3 est remporté par les Shield Esports qui auront été solides aujourd'hui dans cette finale. Hein. Ils ont commencé par un 13-3 et enchaînent ensuite sur un 13-5. Rien à dire, ils étaient les meilleurs ce soir. Ah ouais, j'oserais dire impériaux, hein, puisque même au match précédent, ils ont été écrasants face à leur adversaire, les Shield Esports, qui montrent eh bien, que leur nom doit être inscrit au palmarès des bonnes équipes de Valorant. On espère évidemment les retrouver dans nos prochains tournois, parce qu'ils ont été vraiment très, très, très impressionnants sur ce match. Et voilà, on peut le dire, hein, Obvious, Hiro, Anaskin, Trixor, de qui ils ont vraiment tous été dans le kill feed, ils ont tous fait partie de cet effort collectif et ça donne ce match qui était tout simplement monstrueux. Ouais, franchement très bonne performance en tout cas sur cette carte de Icebox et en général sur les deux matchs qu'ils ont disputés, les Shields qui auront été comme tu le dis impériaux. Ils ont quand même été un petit peu inquiétés, hein, menés 4-2 au tout début de cette carte d'Icebox. J'ai bien aimé en tout cas leur capacité à s'adapter. Ils ont changé leur composition d'une carte à l'autre, déjà ce qui venait un petit peu surprendre leurs adversaires qui eux aussi ont tenté d'adapter leur composition sur Icebox. Et donc ça a bien marché au début, hein, pour les Wendigo qui ont déstabilisé les Shields, mais les Shields se ressaisissent rapidement, adaptent leur style de jeu. Ils ont remarqué que jouer trop lentement sur Xbox ne fonctionnait pas et donc ils ont simplement accéléré le rythme. Round après round, ils avançaient rapidement en équipe, utilisant leurs capacités comme il fallait et ça a surpris les joueurs des Wendigo qui jouaient plus sur les reprises sur la carte d'Icebox et ça marchait bien au début et puis ça ne marchait plus sur la fin parce que les Shields les attendaient de pied ferme. Donc très bon style de jeu en tout cas des Shields qui s'adaptent comme il faut et qui finalement l'emportent 13-5 en ne laissant plus aucune chance à leurs adversaires pour finalement remonter le score. Ouais, ça donne 2-0 ce score absolument one-sided pour les Shields Esports qui l'emportent sur cette grande finale de ce tournoi Valorant. Et puis bah nous, mon cher Dams, c'est fini, puisque c'était la finale. Donc maintenant, voilà, on se quitte.
On va s'arrêter là. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci du coup à la Scream Cup de nous avoir donné l'opportunité de vous commenter, étant donné que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu, qu'on n'avait pas eu l'opportunité de commenter du Valorant sur Caster's Nest. Et donc, nous sommes ravis d'avoir pu participer à ça. On vous prévoit d'ailleurs du Valorant dans les semaines qui viennent. On vous tiendra au courant, évidemment. N'hésitez pas à suivre Caster's Nest sur Twitter, justement pour ne pas rater les prochaines annonces de tournoi. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre aussi, hein, Lison et moi-même, sur Twitter. Les tags sont affichés directement en dessous de nos noms, et n'hésitez pas aussi à aller suivre notre prod Emma qui a assuré aujourd'hui pour nous permettre de vous commenter tout ça. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et je te laisse le mot de la fin, mon bon Lisette. Eh bah, tu l'as dit, merci, j'ai envie de le répéter, merci de suivre Valorant sur Caster's Nest. On a besoin de, voilà, de la communauté pour nous backup, pour nous permettre aussi de nous étendre, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, et voilà, et continuez à suivre de l'e-sport, que ce soit Valorant ou que ce soit Overwatch, puisque on est aussi sur Overwatch, si vous ne le savez pas, ce qui m'étonnerait grandement, mais on ne sait jamais. N'hésitez pas à suivre Caster's Nest. Nous avons aussi un Tipeee si vous voulez nous soutenir financièrement pour nous permettre d'accéder à plus de contenu, de produire plus de contenu. Plein d'amour sur vous. Merci mille fois d'avoir été présents et si nombreux dans le chat. Et puis à bientôt pour plus de Valorant, pour plus d'Overwatch, pour plus d'e-sport.